On va faire une rythmique qui fait entendre cet accord-là sur les cordes plutôt médium, pas trop les cordes graves. Avant de m'amuser un peu à faire des lignes de basse, qu'est-ce que je vais faire lorsque je suis bassiste funk? Je vais faire entendre la fondamentale de l'accord. Donc là, je suis sur un accord de La7, l'arpège de La7. Dans les graves, c'est ça. Je vais beaucoup jouer sur la fondamentale dans les aigus, et la septième, ça fonctionne bien. Et je ne vais pas jouer des noirs comme ce que je fais, et je ne vais pas faire des notes piquées comme tenues comme ce que je fais. Je vais plutôt faire. Je vais essayer de mettre certaines notes bien sur la pulsation et d'autres de faire des surprises. Par exemple, pas, un, et pas, tu copes. Et je mets des contretemps, des notes surprises, et c'est ça qui fait que ça groove en fait. Je mets quelques notes bien dessus et je mets des notes décalées et ça sonne bien. Et j'essaie de pas jouer en permanence. Ça va pas sonner ça. Il faut que ce soit assez épuré, qu'il n'y ait pas trop de. Que je joue pas en permanence et que. Il y a des variations, note tenue, note piquée. Des fois tenue, des fois piquée. C'est parti.